Hello! J'espère que vous allez bien. Alors moi, j'ai craqué mon slip. Déjà, j'ai commandé une coque RhinoShield. Alors, c'est grâce à Joyka. Il y aurait pu y avoir Carlito et McFly. Il y aurait pu y avoir Michou. Ou c'est Michou, je sais plus. Non, c'est Joyka. La voilà, parce que mon téléphone il est grand comme ça. Hein. RhinoShield, regardez comment c'est super bien présenté. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est exactement ce que je voulais. Elle est trop belle. Regardez. Je l'ai eu à moins 70%. Alors ça, c'est protège la planète. Bah ouais, parce que c'est du carton. Franchement, la petite boîte en carton, elle est super bien. Ça vient d'Allemagne. Hein. Je suis trop contente. Bon, voilà, bah, je vais vous montrer. Hein. Voilà, voilà ma coque. Alors, franchement, elle est super bien. Vous pouvez pas casser votre téléphone. Et je vais acheter la protection, mais j'ai déjà une protection dessus, donc je vais peut-être pas acheter la protection. Mais voilà ma fameuse coque RhinoShield. Alors, c'est les vacances. Hein, j'ai vu ça. En fait, celle-ci, c'était celle qu'avait Marie. Et je l'ai trouvée trop bien. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais la prendre. Il y en avait plein. Il y a plein de choix. Il y a vraiment plein de choix, il y a plein de collections, il y a collection One Piece, il y a collection Naruto, il y a collection Pokémon, il y a collection Dragon Ball, Pokémon, je sais pas, enfin bref, il y a, je sais plus comment on appelle ça, ah, avec le petit chat là qui est tout mignon, je me rappelle plus. Voilà, eh ben, écoutez, moi je suis trop contente, j'ai ma coque, enfin je vais pouvoir utiliser mon téléphone. Maintenant, j'ai fait un craquage, ce qui s'appelle un craquage... monumental. Bon, allez, je vous montre, j'ai craqué mon slip, mais quand je vous dis que j'ai craqué mon slip, ça, vous ne l'avez pas vu. J'avais acheté ça, c'est des petites bouteilles, on n'en trouve nulle part. Hein. Il n'y a qu'à la belle vie qu'on en a trouvé. Voilà, des petites bouteilles de Mojito. Mais mon fils, il va s'éclater avec ces petites bouteilles. Bon, maintenant, je vous montre, je suis allée à... Allez, je vous montre. Je peux pas, le sac était mouillé, Primark. Je suis allée à Primark, mais le sac était mouillé, donc je n'ai pas pu vous le montrer. Donc, tout d'abord, j'ai pris pour 3 euros, 2,30 euros, 10 cintres. Alors, c'est plus pour mettre, franchement, 2,30 euros, anti-glissant en plus, un peu velours. C'est plus pour mettre tout simplement quand j'étends mon linge. Voilà, quand j'étends mon linge. Bon, alors là, c'est peut-être pas le top pour celui-là. Je prendrai les autres et puis celui-là, je les mettrai dans l'armoire. Mais franchement, 2,30 euros. Non, 2,80 euros et moi, j'ai eu à 2,30 euros. J'ai marqué 2,80 et je les ai payés 2,30 euros. Non, 2,80. C'était en bois, 2,30. Bon, allez. Oh, je suis trop contente, j'ai ma coque. Celle-là, vous pouvez y aller, hein, c'est du costaud. Hein. Alors, ensuite, j'ai trouvé, je l'ai payé combien? 15 euros. Un pyjama Mickey. Alors, mini. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Ce voyage, j'avais le coussin mini et je me suis dit, tiens, et si j'achetais des trucs mini? J'avais envie de régresser. Donc, du coup, j'ai pris ce petit pyjama. Allez, comme il est beau. Attendez, je vous montre. Franchement, il est trop beau. Hein. Et alors, vous voyez, il est tout moumoute. Il est tout doux à l'extérieur et à l'intérieur, il est super bien. C'est ce que je voulais, moi. Je voulais que ça représente un peu pilou-pilou l'extérieur et que ce soit agréable à l'intérieur, quoi. Donc, voilà le pyjama. Et voilà le haut. Bon, il est grand, mon Dieu. Oh, ben, je vais être à l'aise, hein. J'ai pris du XL, j'aurais pas dû, j'aurais dû prendre du L. Mais c'est pas grave. Regardez comme il est mignon. On est toujours à l'aise là-dedans. Et franchement, pour 15 euros. Et voyez, à l'intérieur, c'est super agréable. C'est pas doux comme ça. Hein. Donc, je suis trop contente. On va mettre un peu plus fort parce que celle-là, j'adore. C'est mon intro de l'année dernière. Si vous allez voir les vlogmas de l'année dernière, vous allez retrouver la musique. Écoutez. Attendez, je vous la remets en plus fort. J'adore. Franchement, celle-là, j'adore. Voilà, franchement. Donc, hein?
Vous avez vu, j'ai fait un effort, hein, je vous ai mis un petit décor derrière. Hein, parce que tout le décor est là, en fait. Voilà. Mais j'ai pas envie de me déplacer. Je vais m'acheter un matelas pour mon canapé. Ensuite, non mais regardez, 6 euros. Trop beau. Ah, c'est pilou-pilou à l'intérieur, regardez. Je sais pas, mais cette couleur-là, en ce moment, j'adore. Oh là là. Attendez, on va essayer. Allez. On essaye. Attendez, on va remettre. Moi, mon intro de l'année dernière. Eh, franchement. Ah, je vous dis pas mon pied, je vous... Si je vous montre la cicatrice, vous allez dire waouh, mais le problème c'est qu'il faut que j'aille retourner voir le chirurgien. Oh là là, c'est antidérapant. Alors, j'ai trouvé 6 euros le petit chapeau, 6 euros les chaussons et 6 euros ça. Non mais regardez. Attendez. Après, vous le mettez comme vous voulez. Hein. Mais regardez, ça fait pas hiver. Allez, je vais le garder. J'adore. Vous le mettez comme vous le voulez. J'ai trouvé ça trop mignon. Ensuite, j'ai trouvé pour 1 euro. Alors ça, c'est trop marrant aussi. C'est une tenue pour Ivy. Mais 1 euro, vous vous rendez compte, au lieu de, je sais pas combien, 12 euros. 1 euro. Mais, il s'avère... Attendez. Je vais baisser le son. Hein. On est en direct. Hein, je fais au lieu de monter le montage, la musique. Regardez ça. Regardez. Mais elle rentre dedans. Hein, je vous le dis, elle rentre dedans. Hein. Regardez. Hop. Voilà. Et là, le petit bonnet. Alors, je me suis dit, si toutefois elle ne veut pas rentrer dedans, vous savez ce que je vais mettre? Eh bien, je vais le coudre. Ah oui, je vous dirai pourquoi. Je vais le coudre et avec ma petite machine. Et en fait, regardez ça. Et je vais faire un petit coussin. Voilà, j'avais décidé. 3 euros des petites chaussettes. Super agréable, quoi. Pour la maison. 3 euros. Ça vaut le coup, hein. À Primark, là, franchement, j'ai fait des affaires. Alors, celle-ci aussi, j'ai adoré. Je les ai payées 3 euros aussi. Regardez. Alors, celles-là, elles sont trop bien. Regardez ça. Allez, hop. Pour bien au chaud à Noël. Pas top, ça. Voilà. Et j'ai celles-ci qui sont quoi? Qui sont des petites rennes. Avec le bonnet? Oh non. Attendez. Oh, c'est trop marrant. Regardez la chaussette, le pied. Attendez, mais le pied, il est où? Ah, voilà, regardez. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Vous avez la chaussette là, et vous avez le bonnet du renne. Oh, c'est trop mignon. Voilà, donc ça, c'est mes petites chaussettes. Alors, attention. C'est là que je vais m'acheter le matelas. Ah non, mais le bazar, il est trop génial. Eh, franchement, je trouve ça super. Mais vous pouvez le mettre comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire comme ça, mais moi je trouve que c'était plus sympa comme ça. Même comme ça, c'est bien. Voilà. Vous le mettez comme vous voulez. Donc je le garde. Donc j'ai pris ça, c'est du ruban adhésif double face parce que comme il fait froid, j'ai remis mon autre tapis pour pas qu'Ivy elle ait froid. Donc je vais m'en servir. Et là, vous avez de l'adhésif transparent pour 1,80€. Ben, ça peut toujours être utile et du coup ben, voilà, j'ai eu ça. Ensuite, ah, il arrive, hein. J'ai été à Lidl. J'achète pas à manger à Lidl, hein. J'ai acheté des assiettes, j'ai payé 2,99€ en papier parce que j'ai pas envie de faire à manger là, tranquillou, voilà. Enfin, j'ai fait à manger, mais enfin, je suis une feignasse. Mais bon, je me suis dit, allez, on sait jamais, il y en a 20. C'est sympa, c'est pas cher, ça peut rapporter gros. Et là, j'ai pour 2,99€. Ah, il y a la séparation carrément, regardez. Une râpe.
Et en fait, vous avez le cache. C'est super bien fait, hein. Regardez. Alors moi, vous savez comment je fais? Regardez, je tourne. Vous allez voir. Je tourne au lieu de prendre un ciseau. Et à un moment donné, ça va péter. On est d'accord? Mais oui, ça va péter. Allez. Voilà. Et la protection, parce que ça coupe, hein. Ben ça, je trouve ça bien, la petite protection. 2,99€ pour râper le fromage, pour râper ce qu'on veut, vite fait, quoi. Avoir une petite râpe sous la main, c'est toujours bien. Du coton, j'ai payé 1€ chez Primark. Ça, c'est toujours pratique. Des petits gâteaux, 1,99€. Ben ça, c'est pour Noël. C'est des petits pains d'épices, étoile de Noël, pain d'épices. J'ai vu ça parce que je crois que c'est Laureline, la chaîne Laureline, une grosse chaîne, qui a des enfants et tout ça, qui a montré ça et qui a dit qu'ils étaient très bons. Donc je me dis, ben, c'est la marque Favorina, 1,99€. Et je me suis acheté une mini machine à coudre. Pour ça, je vais m'en servir pour faire le petit truc que je vous ai dit tout à l'heure. Là. Je l'ai payé 16,99€. C'est quand même la marque Faf. C'est quand même pas rien. Voilà, le problème, c'est les chaussettes, c'est pas de la bonne qualité, je crois. Ah, c'est pas de la bonne qualité, faut les laver, hein. Alors, la machine, mini machine à coudre. Waouh. Voilà. La mini machine à coudre avec les petites canettes. Je les perds, faut pas que je perde des trucs, attendez, hein. Voilà, et vous avez la mini machine à coudre qui tient, elle tient dans la main, elle tient dans la main. Attendez, j'ai dû perdre quelque chose là, non? Non, voilà, elle est là. Ben, je vous dirai ce que j'en pense, je vous dirai pour l'instant, je vais pas la tenter, mais il y a la petite notice. Je vous dirai ça, je testerai, peut-être je ferai une vidéo, rien que de ça, vous allez voir la catastrophe. Je sais coudre à la main, mais alors à la machine, je sais coudre, mais une grosse machine, pas, parce que ma mère travaillait dans la haute couture. Attendez, je bois parce que ça me, j'en ai partout. C'est pire qu'Heidi. Je ne vous recommande pas ces chaussettes-là, à 3€, je ne vous les recommande pas, parce que c'est de la merde. Bref. Ensuite, je suis allée. Ah oui, il faut que je prenne ça. À Célio. Alors, savoir que pour mon fils, pour son Noël, je lui ai pris un polo Lacoste. Ça coûte une blinde. Et un truc Candy San que vous verrez. On va faire une discussion à Noël. Et je lui ai pris, je voulais prendre McFly et Carlito, le pyjama. Et du coup, je lui ai pris celui-ci. Je l'ai payé 29,90€. Il aime bien le bleu marine. Je pense qu'il est uni. J'espère qu'il est uni. Avec le petit pyjama, quand il va dormir à la maison, il aura un pyjama. Ça fait pas trop Noël. Mais je voulais prendre vraiment celui de McFly et Carlito. À Célio, il y avait des super trucs. Notamment, il y avait des Pringles avec les chaussettes. Il y avait des pyjamas Doritos. Franchement, pour faire des petits cadeaux à moins de 30€, c'était génial. Et voilà, ça, j'ai pris ça. Et j'ai pas fini, hein. Je suis allée pour mon petit neveu, mon petit neveu, hein, le fils de ma nièce, et j'ai trouvé ça. Combien j'ai payé ça? 8€. Non, mais regardez comme c'est mignon pour 8€. J'ai pris du 24 mois parce que 18 mois, il n'y avait plus, et puis elle le remettra plus tard, c'est pas grave, elle a plein de choses. Regardez, et j'ai trouvé cette petite combi. Trop choupi, non? Combien j'ai payé ça? 13€. Regardez la combi. Regardez ça. Regardez si c'est pas choupi. C'est trop mignon, hein? Voilà, je crois que je vais lui envoyer parce que je sais pas si je la verrai. Mais regardez. Voilà. Et en même temps, j'ai d'autres cadeaux. Je vais vous montrer. Et pour mon ex-mari, je lui ai pris un pull. Un grand pull. J'ai pris trop grand, quoi. C'est pas grave, normalement. Voilà, je lui ai pris un grand pull, comme ça, bleu marine, chez Kiabi.
Non, c'est pas Kiabi, la mode à petit prix, je crois pas. Enfin, j'en sais rien. Et je vais vous montrer. Je reviens. Je reviens te chercher. Bordel, je sais. Sur mon canapé, c'est hallucinant. Voilà. Elle aura tout ça. Hein. Alors ça, c'était une affaire en or. J'ai payé ça combien? Moi, j'ai payé ça à 9 euros, je crois, au lieu de 15 euros. Offre spéciale, c'était 7,50. Regardez. J'avais montré sur une vidéo, mais je ne sais pas si je vais la mettre, donc du coup, je vous le montre là. Regardez. $7,50 les body. My first Valentine Day. Mother Day. Le Happy Birthday. Et le la fête des pères. Vous avez vu ça? Il y en a combien de temps? 7. C'est du 18 mois. Mais ça, je vais lui donner là. Et en même temps, j'ai trouvé ça trop choupi. Payez les petites chaussettes, par contre, 1,99€, c'est trop choupi. Une tirelle. Et j'ai trouvé, pour 18 mois, voilà. Bah, décidément, Mickey à fond chez moi. J'avais pas vu. Là, c'est Mickey. Il y avait le petit Mickey avec. Et I'm happy. C'est exactement ce que je suis. I'm happy. Faut rigoler, faut rigoler. Voilà. Et je l'ai eu pour, mais rien, 9,90 je crois. Bah tiens, regardez, 9,99 au lieu de 19 euros. C'était des promos à ne pas louper quoi. Par contre là, je sais pas pourquoi c'est pas marqué 7,50. C'était 50% surtout. Donc voilà. Une pochette cadeau que j'avais acheté. Oh non, mais c'est trop mignon ça. Faut savoir que j'y avais déjà acheté petit bateau, mais c'est trop petit. Mais elle m'a dit, qu'est-ce que c'est mignon, des petits bateaux. Mais malheureusement, impossible. Ben, je crois que on a fini. Ouais. Si je vous montre le bordel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le bordel, le bordel, le bordel. Ah oui, puis j'ai... Le rat. J'ai le rat avec la baguette, la ratatouille. Je l'aime bien, il est trop mignon. Voilà le cadeau fait. C'est une sorte de bonbon. C'est rigolo, hein? Voilà. Voilà le cadeau fait. Et puis là, il y a d'autres cadeaux qui sont déjà... j'avais acheté ça à normal. Voilà. Et voilà. Et puis, je vais mettre du petit... comme ceci autour. Et voilà. Et les petits cadeaux sont faits. Il y en a d'autres, hein, mais... ouais, il y en a d'autres. Il faut que je les emballe. Voilà. Sur ce, eh bien, avec la musique de Noël en fond, c'est sympa. Eh bien, je crois que je vous ai tout montré. J'y suis allée le 7, on est le 8 aujourd'hui, j'y suis allée le 7 décembre, et je vais vous montrer, je vais vous faire une vidéo aussi pour vous montrer bah, les magasins, quand j'ai filmé dans le magasin, et après je vous montrerai, voilà, et sur ce, bah, moi je me suis gâtée, bah, je me suis acheté mon ordi et tout ça, donc moi je me suis gâtée. Mon ex-mari, je lui ai acheté un pull, je vais lui racheter un autre petit truc. Mon fils, ça y est, il est blindé de cadeaux, c'est cool. Voilà, ben, et puis la petite, elle est, le petit, il est gâté. Je ne fais pas de cadeaux à mes neveux et à mes nièces parce que ben, ils sont grands. Hein, on ne fait pas, et puis on ne se voit pas beaucoup. Mes frères non plus, sœurs non plus, on ne s'est jamais fait de cadeaux. Sœurs, ben, Paris, Sibylle. Je n'ai pas de sœur. Si, j'ai une sœurette. J'ai mamie Corinne, j'aimerais bien qu'elle soit là. Bah ouais, mais bon, vous savez bien. Allez, hasta la vista, la bella vita. Sur ce, eh bien, mettez les pouces. C'est important de mettre les pouces. Je vois que j'ai pas beaucoup de commentaires, mais je vois que j'ai beaucoup de vues. Donc ça me fait super plaisir. Je vois que mes... j'ai des abonnés en plus, ça me fait super plaisir. Par contre, je vois pas beaucoup de commentaires, mais lâchez-vous, mettez des commentaires. C'est pas parce qu'il t'est arrivé quelque chose que voilà, trop contente.
Jalapeno World. Bon, ouais, sur ce, j'ai acheté tout ce que je voulais avant ma retraite. Là, je vais pouvoir l'utiliser, je vous jure, je suis trop, trop, trop contente. Ça me fait trop plaisir. Sur ce, vous avez vu comme il est top? Puis il est chaud en plus, ça va me faire super du bien dehors. Sur ce, je vous fais des tonnes. Non. Sur ce, je vous fais des bisous, des kisses. Et puis, allez, les nénettes, les poteaux. Les poteaux, allez les poteaux, allez les poteaux. Des fois je dis c'est ma poteau. Allez les poteaux, ben on va dire comme ça. Allez les poteaux. Je vous kiffe et je vous dis bye, abonnez-vous et puis lâchez des pouces. Allez, ciao.